Un village pour vivre les jeux de la francophonie en musique. L'objectif de la mairie de Cocody, l'une des communes du district d'Abidjan, était de faire des jeux une fête populaire en impliquant et mobilisant les habitants de la commune. Animation, jeux et musique étaient au programme du village pendant 10 jours. C'était bien intéressant. Depuis que ça a commencé, chaque jour on est là. On trouve que ça fait plaisir pour les peuples. Ça nous permet à Cocody de nous de vivre en paix et amuser. Le maire Choco est parmi nous. Ça nous permet de nous distraire et de voir d'autres choses merveilleuses. C'est un plaisir pour nous en fait. Ça nous donne la joie dans le cœur et c'est rayonnant. Ça a été une très belle fête. La mobilisation était grande. Et nous disons merci au maire de Cocody. L'esplanade du centre commercial Saint-Jean de la commune de Cocody, lieu du village des Jeux de la Francophonie, a connu l'affluence des grands soirs. Tous les soirs, c'est entre 3 000 et 5 000 visiteurs du village. Donc nous sommes satisfaits parce que ça veut dire que nous avons permis à nos populations de pouvoir se distraire. À côté de son caractère festif, le village de jeux de la francophonie à Cocody a permis de faire la promotion des artistes. Les garagistes, Connexion Zouglou, Dorian et des groupes venus du Mali et du Canada ont fait vibrer les spectateurs au son de la musique du 21 au 30 juillet 2017.